Autre grosse information du jour, c'est l'intérêt de plusieurs formations pour le défenseur central angevin, Bruno Ekwelemanga. Révélation de la saison, il ferait l'objet de plusieurs offres de clubs français et étrangers. En France, Valenciennes aurait proposé 2 millions d'euros pour s'attacher immédiatement les services de l'international gabonais. Une solution que semblent exclure les dirigeants du SCO. Ils préféreraient vendre Bruno à un club qui leur prêterait ensuite le joueur pour la saison à venir. L'Olympique de Marseille serait susceptible d'accepter cette formule. Par contre, on ne sait pas combien la formation des Bouches-du-Rhône est prête à mettre sur la table. Mais comme bien souvent, les offres les plus conséquentes proviennent de l'étranger. En Allemagne, le Werder Bremen serait disposé à débourser 3 millions d'euros. Une équipe russe se serait également positionnée. Il s'agit du Spartak Moscou qui proposerait pas moins de 5,5 millions. Une somme qui va sans doute amener les responsables angevins à réfléchir.